Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Au sommaire de ce journal, la police nationale congolaise a désormais une unité spéciale pour traquer les criminels opérant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays grâce à l'Interpol. La cérémonie de lancement a été présidée par le commissaire de la PNC, le général Amouli Baingwa. Et puis, arrestation d'un seigneur de guerre opérant à l'ouest de la cité d'Iringeti Otomambere, Kianandenga, c'est son nom. Les FARDC ont mis la main sur cette personne, auteur de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages, et leader du groupe Mai Mai Kiandeka. On en parle dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre ce mardi 20 septembre à New York. Tous les chefs d'État et de gouvernement du monde entier sont attendus au siège des Nations unies. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, y est arrivé hier lundi dans la matinée et va s'exprimer du haut de la tribune des Nations unies. On en parle avec Giscard Koussema. Les gens du monde entier affluent à New York pour leur rendez-vous annuel, à savoir l'Assemblée générale des Nations unies. La 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies sonne comme une rentrée des classes pour les chefs d'État et des gouvernements habitués à des visioconférences depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19. Pour cette grande messe 2022, aucune visioconférence n'est prévue. Et comme à l'accoutumée, tous les chefs d'État et de gouvernement devraient se soutenir devant la tribune du Palais des Verts pour leur allocution. Arrivé à New York ce lundi matin, aux premières heures de la journée, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyagueru, les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, entend saisir cette opportunité que lui offre l'Assemblée générale des Nations unies pour dénoncer tous les coups bas que lui inflige son voisin, le Rwanda. Entre la dernière Assemblée générale hybride de 2021 et la présidentielle de 2022, les lignes ont véritablement bougé grâce au dynamisme diplomatique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a démasqué les agresseurs rwandais à peine couvert du label M23. C'est un Félix Tshisekedi moral haut et déterminé qui s'apprête à prendre la parole devant la tribune des Nations Unies, devant le feu projecteur du monde entier. Sans nul doute, le président de la République ne manquera pas de dénoncer toutes les manœuvres belliqueuses du Rwanda et les crimes de leur particulier, le M23. Le président Tshisekedi ne manquera pas non plus de mettre l'ONU devant ses responsabilités face aux résultats mitigés de sa mission en République démocratique du Congo, la MONUSCO, depuis plus de 20 ans. C'est en sa triple qualité de président en exercice de la CIAC et de la SADC que le président de la République démocratique du Congo se présentera à la République avec des alternatives crédibles dans les domaines de l'économie verte et du changement climatique. Au-delà de cette allocution officielle, le président de la République a activé toute sa machine diplomatique. Deux vice-premiers ministres et plusieurs ministres l'accompagnent dans cette mission. Christophe Lutundula et Ekba Zaïba s'activent dans les couloirs du Palais des Verts pour plusieurs dossiers bilatéraux. Processus électoral, le rapporteur de la CENI a réceptionné les matériels d'identification à l'aéroport international d'Unjili, des matériels livrés par une firme sud-coréenne. On en parle avec Teti Samba. Aéroport international d'Unjili aux premières heures du matin. Sur place se trouve Madame Tseya Patricia Mulela, rapporteure de la Commission électorale nationale indépendante, venue pour réceptionner le premier lot du matériel d'identification pour l'enrôlement des électeurs prévu en décembre 2022. Matériel livré par Miru System, l'entreprise sud-coréenne ayant gagné ce marché après l'appel d'offres international. Patricia Tia Mulela était accompagnée du questeur adjoint Sylvie Birembano Baloumé et du secrétaire général et exécutif adjoint Marie-Josée Kapinga. Notre présence à l'aéroport international de Njili s'inscrit dans la suite de la mission que nous avons effectuée tout récemment en Séoul, en Corée du Sud, pour lancer la production des kits qui vont servir à l'identification et l'inscription des électeurs, donc à l'enrôlement.
pour nous, c'est une joie que le fournisseur ait respecté le délai qu'on s'est convenu pour livrer ces premiers kits. De retour au siège de la centrale électorale, Mme Patricia Nseya a remis officiellement les échantillons de ce premier lot au président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, qui à son tour les a remis au secrétaire exécutif national Toto Mabik Toto Kani pour que le travail entamé puisse se dérouler comme nous l'espérons, a dit Denis Kadima Kazadi. Au chapitre de la sécurité, la police nationale congolaise a désormais une unité spécialisée pour traquer les criminels opérant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays grâce à l'appui de l'Interpol. La cérémonie de lancement a été présidée par le commissaire général de la PNC, le général Amouli Dieudonné Baingwa. On en parle avec Iverson Kabwaba. La cérémonie de lancement de l'opération conjointe Oussalama 8, axée sur la lutte contre la criminalité transnationale, a pour mission de rechercher et de traquer le criminel qui se livre au terrorisme, trafic de drogue, vol de câbles et autres, au-delà de nos frontières. Lancée par le commissaire général de la police nationale congolaise, général Dieudonné Amouli. Il a galvanisé la morale de ces unités spéciales impliquées dans la traque des criminels et les a appelées au respect des droits de l'homme. C'était en présence du commissaire général adjoint de la PNC, général Silvano Kasongo, et autres généraux de la PNC. J'aimerais, au nom de toute la police nationale congolaise, rendre un vibrant hommage à son Excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées de la police nationale congolaise. J'ai cité son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi-Tshilombo. Nous devons nous réjouir parce que nous lançons cet exercice en notre qualité de président d'exercice de cette organisation des EAPCO. Cet exercice, ça concerne la SARCO et l'EAPCO, c'est-à-dire la SADEC et East Africa. Je vous invite à être disciplinés, à être courageux et surtout du professionnalisme et du respect des droits de l'homme. Cette opération bénéficie de l'appui des Interpol et SARPECO. 30 autres pays africains sont choisis pour travailler en collaboration avec la RDC pour mettre hors d'état de nuire les inciviques. Puisqu'on parle de la sécurité, Kiandenga, leader du groupe Mai Mai qui porte son nom, ce seigneur de guerre a été arrêté par les FARDC. Il est auteur de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages. On en parle dans ce reportage de Georges-Frédéric Ndibou. Je voudrais ici magnifier la collaboration, le courage et la détermination des jeunes filles et jeunes garçons de Beni, de Boutembo Lubero, de Tchabi, de Boga, de Irumu et de l'ensemble de la contrée. Grâce à la courageuse dénonciation à laquelle s'est livrée cette population, les FARDC, votre armée, a mis la main sur Sieur Kianlenga, de son vrai nom, Kambale Kupaku Jean-Baptiste, alias Kianlenga, sinistre personnage qui s'est rendu célèbre dans la forfaiture, dans le sang. Il est leader du groupe qui porte son nom, Mai Mai Kianlenga, une force supplétive au MTM-ADF, donc terroriste de l'ADF. C'est sûr, s'est rendu célèbre et auteur de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages. Pour vous donner un peu plus de précision, le groupe Mai Mai Kianlenga opère à l'ouest de la cité de Ringeti, dans les environs de Otomabéré, et a étendu sa zone d'influence ou ses tentacules sur la localité de Diakato. Le dimanche 18, grâce à la dénonciation
et à la courageuse action menée par notre population en direction de votre armée. Kiandeng a été arrêté avec 10 de ses lieutenants à Boutembo par les forces armées de la République démocratique du Congo. Alors c'est ici l'occasion pour nous de vanter le professionnalisme et la discipline de nos militaires. Bientôt, un bâtiment qui devra abriter l'hôtel de la Défense nationale. C'est un bâtiment qui aura en son sein le cabinet du ministre de la Défense nationale et le secrétariat général à la Défense. Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, a visité ce chantier dont les travaux avancent à pas de géant. Une fois de plus, Jojo Ndibo. Un bâtiment est en train de sortir de terre au camp Colonel Kokolo sur l'avenue des Libérations, ex 24 novembre, dans la commune de Bandalungwa, à quelques encablures de la base logistique des FARDC. Il s'agit du nouveau bâtiment devant abriter le ministère de la Défense nationale, dont le patron de l'outil des défenses, le docteur Gilbert Kabanda Korenga, a inspecté l'évolution de travaux ce lundi 19 septembre 2022. Sur place, le représentant de l'entreprise arabe Contractor Équatorial Guinée, qui exécute les travaux, a fait savoir que ce nouveau bâtiment devant abriter le ministère de la Défense nationale sur le plan architectural s'étend sur une superficie de 4000 m² de surface. Il aura deux axes dont l'entrée principale du ministre et des autres officiels contiendra une ronde. Cette entrée s'ouvre sur l'avenue des Libérations et un autre axe secondaire vers la base logistique pour l'entrée réservée au personnel et au public avec des parkings prévus. Il comprendra également 125 bureaux avec deux ascenseurs qui serviront à la circulation verticale et à droite du bâtiment, il est prévu la salle de conférence d'une capacité de 130 personnes. Le bâtiment contient 4 niveaux. Sauf imprévu, ce bâtiment sera livré au gouvernement congolais au mois de mai 2023. Un partenariat de l'Union européenne par le biais du Fonds européen de développement FED en collaboration avec le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants et le ministère des Finances, un projet qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces armées de la RDC et fait suite au constat de vétusté des installations du ministère de la Défense nationale. Réhabilitation des avenues Benseke et Bompété dans la commune de Ngaliema et ce dans le cadre du projet présidentiel lancé à Kanluka. Les conseillers du chef de l'État en charge des infrastructures et de l'économie étaient sur le terrain pour évaluer les travaux. Emmanuel Akoumissé, reportage. Évolution de travaux du projet présidentiel au Kanluka, l'avenue cimetière subit des travaux d'entretien. Ces travaux partent de l'entrée de l'avenue Benseke jusqu'à atteindre le pont Louboudi au quartier Congo. Marcelin Bilomba et Claude Moukeba, respectivement conseiller économique du président de la République et conseiller en charge des infrastructures, ont inspecté l'évolution des travaux. Programme Yamokonza Mboka. Il y a qu'à réduire les inégalités sociales. Ces programmes du chef de l'État qui prônent les inégalités sociales visent à désenclaver tout le coin. Nous sommes venus pour s'assurer si les travaux évoluent normalement. Chef de l'État, béton pas pour rien. Le chef de l'État tient à ce que nous ayons des ouvrages de meilleure qualité. Notre descente est pour se rendre compte si les travaux sont réalisés conformément aux normes voulues. Sur terrain et aussi. Ce projet s'ajoute aux travaux de modernisation et reconstruction de l'avenue Bompété, longue des 2700 mètres, soit 2,7 km au quartier Jamaïque. A noter que ces travaux sont financés par le gouvernement de la République, exécutés par l'entreprise Aron Sefou, sous la supervision de l'OVD. Le gouverneur de la ville-province Kinshasa a fait une visite d'inspection des travaux d'embellissement des emprises de la ville-province Kinshasa. Gentili Ngobila Mbaka a commencé par Tchangou et Moamba. Le constat est satisfaisant, a-t-il dit. Visiblement très déterminé à matérialiser dans sa juridiction la vision du chef de l'État visant l'amélioration des conditions sociales des Congolais pour sa réélection en 2023,
Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentil Ngobilambaka, a consacré la journée de samedi 17 septembre 2022 à l'évaluation des travaux d'embellissement des emprises publiques à Tchangou et à Moamba. Accompagné du vice-gouverneur Gérard Moulumba et de quelques ministres provinciaux, le numéro 1 de la capitale a débuté sa ronde dans la commune de Massina jusqu'à Lemba, en passant par l'aéroport international d'Ndjili et la commune de Limété. Vraiment, nous avons apprécié les travaux accomplis jusqu'ici. L'état d'avancement des travaux est atteint un niveau assez intéressant. Je pense que dans les jours qui viennent, les Congolais seront satisfaits de tous les travaux que nous sommes en train de faire, aussi bien des travaux d'infrastructure donc routière que des travaux d'embellissement, des travaux également d'éclairage public pour la ville. Cette descente sur le terrain était une opportunité propice pour le premier citoyen de la ville de Kinshasa de se rendre personnellement compte de l'effectivité des travaux d'implantation des poteaux pour l'éclairage public sur la route bypass dans la commune de Lemba. Nous sommes en train de faire le raccordement pour lancer finalement l'éclairage public sur ces tronçons, compris entre l'échangeur délimité et rond-point Gaba pour la première phase. L'occasion faisant le larron, le gouverneur Gentil Ngobila a rappelé face à la presse d'autres réalisations à l'actif du gouvernement provincial de Kinshasa, notamment plusieurs avenues modernisées et construites, le projet Kinbopeto et l'opération Zéro Épave, en dépit de quelques difficultés d'ordre financier. Le bureau central de coordination BCCO a servi de cadre pour la signature d'un protocole d'accord pour la réhabilitation des infrastructures dans la province du Sud Ubangi. Le gouverneur de province était à la tête d'une forte délégation ici à Kinshasa. Les protocoles d'accord signés avec le Kasaï central, c'est le tour du Sud. Ubangi a signé un protocole d'accord pour la réhabilitation et la modernisation des infrastructures dans ces provinces. C'est tard dans la soirée du vendredi que le gouverneur Jean-Claude Mabenzingwe, en visite de travail à Kinshasa, a conduit une forte délégation composée notamment du président de l'Assemblée provinciale, du rapporteur et certains députés vers les installations du bureau central des coordinations BCCO qui ont servi des cadres pour cette cérémonie. Quelques minutes ont suffi pour sceller ce partenariat à la grande satisfaction des uns et des autres. Revenant à la cérémonie, le numéro 1 du Sud Ubangi livre ses impressions. Je dois admettre que c'est un moment important pour la province. Vous voyez ici, avec le président de l'Assemblée provinciale, le rapporteur du bureau de l'Assemblée provinciale et les honorables députés qui m'accompagnent, nous sommes venus au BCCO requérir l'expertise de BCCO dans les domaines de marché parce que BCCO a accepté de nous assister dans la réhabilitation et la modernisation de la voirie urbaine de nos villes et agglomérations, mais aussi dans la réhabilitation de bâtiments, construction et réhabilitation de bâtiments publics. Les experts sur terrain nous diront, mais sinon, nous planchons sur 36 mois. Le BCCO qui vole au chevet de la province du Sud Ubangi pour la réhabilitation, la modernisation de la voirie urbaine et des bâtiments administratifs s'aligne dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, celle de désenclaver la République démocratique du Congo. Il est à noter que les travaux prendront 36 mois. Jadis très délabré à cause de la perte de ses garde-fous, la passerelle jetée sur la cavité de la cellule Ngadi dans la commune Mvouzi à Matadi, le pont Momon d'une longueur de 15 mètres sur une largeur de 3 mètres avec une capacité de 10 tonnes a subi une modernisation et une réhabilitation et ce grâce aux travaux réalisés par la mairie de Matadi sur financement propre de sur financement propre des recettes urbaines. On en parle avec plus de détails dans ce reportage de Pierrot Mbouyousaidi. La passerelle jetée sur cette cavité est située sur l'avenue Diangana, l'entrée principale de la cellule Momon,
au quartier Ngadi dans la commune de Mvuzi, à Matadi au Congo central. Construite sur un relief accidenté, il y a près de 10 ans, cet ouvrage avait perdu presque tous ses garde-fous, occasionnant ainsi la menace de la sécurité de ses usagers, surtout en temps de pluie diluvienne et en cas d'obscurité, souvent pendant les coupures intempestives du courant la nuit, d'où ses cris de détresse, ses SOS, cet appel au secours lancé par les habitants de cette partie enclavée de la ville portuaire de Matadi, au maire Patinzuzi Omakengedi, pour une intervention ponctuelle à même de les éviter les pires. Un appel qui n'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Nous avons été un peu interpellés par la notabilité qui m'a assiégé très tôt le matin. Je devais entrer ici pour voir un peu comment est-ce que la population s'est plaignée par rapport à la chaussée. Pour voir tant soit peu comment est-ce que nous pouvons désenclaver ce quartier dont la population souffre réellement. Sa propriété c'est SOS. À travers une réponse concrète à ces crises de détresse, l'autorité urbaine de la ville de Matadi, dans un élan de patriotisme exemplaire, a financé sur fonds propres des recettes urbaines de cette cité les travaux de réhabilitation et de modernisation de cette passerelle avec la pose de garde-fous métalliques estampillés du logo de la mairie. Il convient de souligner que la réhabilitation de cette passerelle va désenclaver toutes les activités qui se déroulent dans la cellule Momo et permettra à la population de ces coins de Matadi d'atteindre facilement les ponts Pozo et ses périphéries, sans oublier toutes les autres cellules environnantes. Restons toujours dans le Congo central pour parler du colloque organisé par l'Université Congo. Pendant 3 jours, les participants ont réfléchi sur les questions liées au développement de cette province. On en parle avec Christine Lenzo. Les travaux du colloque sur le développement du Congo central avaient retenu 3 jours durant la crème intellectuelle Congo, les notables et les professeurs d'université pour réfléchir sur le devenir de la province. 3 jours de travail avec assiduité, dû notamment au niveau élevé des exposés, lesquels ont permis à tous de lister des propositions concrètes susceptibles d'améliorer l'efficacité des actions à engager dans la province du Congo central. Un plan décennal à mettre à la disposition de l'autorité provinciale concernant notamment la mobilisation des recettes telles qu'expliquées par le président du conseil d'administration de l'Université Congo. Simon Bosso Kiamputu. L'Université de Congo jouera pleinement son rôle de catalyseur dans ce processus afin que la flamme que nous avons allumée dans le cadre de ce colloque ne s'éteigne jamais. Même appréciation faite par le recteur Gamela. Cette assiduité est aussi due au très haut niveau, à la très grande richesse de la plupart des exposés, ainsi qu'à la très grande pertinence de leurs recommandations, preuve que le comité organisateur ne s'était pas trompé dans le choix des intervenants. Dans les plans de développement de la province, les participants ont proposé entre autres l'industrialisation de la province du Congo central en valorisant ses potentialités naturelles, forestières et autres. L'Université Congo voudrait également entamer la construction de sa faculté de médecine et compte sur la contribution de tous. Le président de l'Assemblée provinciale, Jean-Claude Mvuemba, qui a clôturé ses assises, a fait connaître l'inscription de cette université sur le budget 2023 et à rassurer l'assistance de l'Assemblée provinciale dans la construction de la dite faculté de médecine. Enseignement supérieur et universitaire, cette fois-ci à Kinshasa, l'université William Bouffe a clôturé l'année académique 2021-2022 le samedi 17 septembre dernier. La première promotion de médecine a été honorée par la présence du recteur Bimwala Mampuya. On en parle dans ce reportage. Toutes les autorités académiques de William Bouffe ont affiché complet sous le leadership inamovible du recteur, docteur, professeur, ingénieur Roger Bimwala. Une particularité pour cette édition, c'est la présence des lauréats de la toute première promotion de médecine qui l'ont devait une fière chandelle devant le ministre des Droits humains et les représentants du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Dans son allocution, le brillant recteur de l'université William Booth a rappelé à ses lauréats leur place prépondérante dans le processus du développement durable d'une part et de l'image de marque de l'université William Booth d'autre part. Nous avons montré à la population et collé
les nouveaux médecins formés ici à l'Université de Dambouze. C'est le lieu de remercier le chef de l'État pour tous les efforts qu'il fait pour la jeunesse de notre pays. C'est le lieu de remercier notre ministre de l'Enseignement supérieur universitaire pour nous avoir accompagnés et appuyés en signant les diplômes de nos étudiants, les premiers étudiants de médecine. Mais les premiers médecins que vraiment nous délivrons sur la place, sur le marché de la santé. Après, nous avons eu à inaugurer cet amphithéâtre qui servira pour la classe de L1 médecine selon la nouvelle réglementation du LMD. Et ce lieu sera aussi un lieu de colloque, de conférence pour notre université et aussi un lieu de prière pour notre église. Appelés à mettre en valeur leur savoir-faire et porter haut l'étendard de William Booth, un des lauréats revient sur l'importance de ce jour mémorable. Pour nous, on a réalisé des documents et récits visuels, y compris les photos. Le département de la photo de l'Académie de Beaux-Arts renforce ses capacités. Un atelier de formation a été organisé avec des cinéastes allemands. On en parle avec Cédric Kinambo. Sur smartphone, l'on peut réaliser un récit, des photos expressives, soit des clichés qui immortalisent des événements. Des mini-documentaires par exemple, et ce grâce à un procédé, les films de poche. Tout un art qui nécessite une formation. 39 étudiants répartis dans 7 groupes du département de la photographie de l'Académie des Beaux-Arts ont suivi avec intérêt la formation sur la réalisation des films de poche. Formation rendue possible dans le cadre du partenariat avec des cinéastes allemands du Goethe Institute. Une valeur ajoutée pour ces étudiants a reconnu le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Henri Calama Akoulez. Cet atelier qui a été organisé avec un expert de Cassius-Reiner, soutenu par les Goethe. Vous avez vu les productions qui ont été présentées ce soir, montrent que ces étudiants, ils ont appris, ils ont pratiqué. Nous avons un département de photographie. Le département de photographie, c'est le département de l'image. Donc l'image au pluriel, l'image fixe et l'image mouvante. Donc dans les départements de photographie, ce sont les spécialistes de l'image qui sont formés. Ces jeunes qui ont présenté les travaux ce soir, ils vont devoir continuer leur aventure. Et nous, notre département qui n'est qu'à sa deuxième année, va continuer de croître et devenir un grand foyer de l'image. Cet atelier de formation a été sanctionné par la remise des brevets aux récipiendaires, mais aussi des matériels essentiels pour la réalisation des films de poche par les partenaires des Goethe Institute. La célébration du 13e anniversaire du Fonds forestier national s'est déroulée dans une ambiance particulière. Le directeur général Honoré Moulumba a présenté les grandes réalisations auprès de toute l'assistance. Reportage. De 80% de recettes, financement du projet de reboisement, administration de soins de santé de qualité, autant d'actions réalisées par le directeur général du Fonds forestier national depuis sa prise de fonction en août 2020 jusqu'à ce jour. Ces actions, au total 33, ont été présentées au président du conseil d'administration du Fonds forestier national lors de la célébration du 13e anniversaire de cette structure, partenaire financier officiel pour la reconstitution du capital forestier de la République démocratique du Congo. La présentation du bâtiment, la dotation des engins roulants aux responsables des différentes directions des antennes de Kinshasa, Lualaba et Okatanga afin de remplir les assignations et la journée porte ouverte consacrée à la visibilité du Fonds forestier national à travers la sensibilisation de la jeunesse au programme Jardin scolaire 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 était au rendez-vous. Honoré Moulumba Kalala, qui travaille sans faille pour l'amélioration des conditions des agents, a salué l'accompagnement du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, F. Bazaïba. L'administration des soins médicaux de qualité au personnel grâce au contrat conclu avec l'hôpital du cinquantenaire depuis fin mars 2021, l'amélioration substantielle du colis de fin d'année au personnel, l'octroi d'une prime mensuelle aux huissiers et chauffeurs, l'augmentation des frais funéraires en faveur du personnel qui sont passés de 2500 à 7500 $ américains pour les directeurs et de 2500 à 5000 $ pour les autres membres du personnel. Achat d'un groupe électrogène
industrielle moderne. Le Fonds forestier national a comme rôle de mécanisme national de référence dans le financement durable pour la concrétisation et la gestion durable des écosystèmes forestiers. Après les deux dernières sorties médiatiques de Franck Diongo au cours duquel il a tenu des propos contre le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les cadres de son parti MLP l'ont expulsé et réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez cela dans ce reportage. Matinée du lundi 19 septembre 2022, que les cadres du mouvement lumumbiste et progressiste, que dirige M. Franck Diongo, ont livré leur déclaration devant la presse congolaise en exprimant leur indignation patriotique contre les deux sorties médiatiques de leur président, refusant toute grâce et gratitude de leur accorder par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces hommes politiques, par la bouche de l'un d'eux, ont déclaré ceci. Tous les membres et cadres du MLP, notre parti, et le peuple congolais en général, sont indignés, tristes et lessivés des discours qu'a tenu M. Franck Diongo, discours que nous considérons comme un message d'ingratitude et de haine. Le MLP, notre parti, présente pour ce faire toutes ses excuses à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, et lui rassure que tous les propos tenus par M. Franck Diongo n'engagent en rien les membres et cadres de notre parti. Lors de toutes les réunions organisées par les partis, par rapport à la position à prendre vis-à-vis du pouvoir en place, la majorité des membres et cadres du MLP ont toujours opté pour le soutien au président de la République, chef de l'État. Malheureusement, par manque d'esprit démocratique, M. Franck Diongo s'est toujours imposé contre la volonté de la majorité de tous les membres et cadres du parti. Il est sûr de savoir que ce cadre du MLP renouvelle leur soutien indéfectible au chef de l'État, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa candidature à la présidentielle de 2023. Et pour terminer, comptabilité générale conforme au CISCOADA révisé, théorie, concept et pratique comptable informatisée. C'est le titre de l'ouvrage scientifique produit par le professeur Simbimbi de l'Université de Lubumbashi. Il a été porté sous les fonts baptismaux le samedi dernier à Lubumbashi en présence de plusieurs personnalités. Reportage. Plusieurs invités se sont massés pour être parmi les premiers à se procurer cet ouvrage qualifié de cadeau pour les générations présentes et futures par le professeur Kishiba Fitula, recteur de l'Université de Lubumbashi. Il a plaidé pour une large diffusion de cette réalisation scientifique dont la faculté d'économie de l'UNILU et la RDC peuvent en être fiers. Je souhaite que ce livre, pour autant qu'il est consistant, qu'il soit rendu fluide, par rapport aux études, des instruments de ce genre soient mis à la disposition aussi de l'Union africaine. C'est une fierté pour vous. Je voudrais que vous puissiez applaudir pour votre famille. Près des fonds baptismaux, au moment du vernissage, l'auteur du livre, le professeur Sembimbi Pascal, le professeur Kalaba, doyen de la faculté d'économie, et le recteur de l'Université de Lubumbashi, le professeur Gilbert Kishiba Fitula, en présence des recteurs d'universités privées de Lubumbashi, des directeurs des écoles et instituts supérieurs et tout un parterre des professeurs d'université, sans compter des nombreux étudiants et autres invités pour la circonstance. Au nom de tous les scientifiques de la République démocratique du Congo et en particulier de l'Université de Lubumbashi, je te souhaite pérennité, rayonnement, et plein succès. Comptabilité générale conforme au CISCOADA révisé, théorie, concept et pratique comptable informatisée du professeur Pascal Sembimbi est un livre de plus de 670 pages publié aux éditions Généris de Londres. Il est une large contribution à l'évolution de l'économie en RDC et dans le monde, mise à la disposition des chercheurs, des étudiants, institutions supérieures et universitaires congolais avec un rayonnement international et donc une fierté pour la République démocratique du Congo.
Et c'est par ici que nous mettons un terme à cette livraison de l'actualité. Mais avant de nous séparer, le rappel des titres. La police nationale congolaise a désormais une unité spéciale pour traquer les criminels opérant à l'intérieur comme à l'extérieur du pays avec l'appui de l'Interpol. La cérémonie du lancement a été présidée par le commissaire général de la FNC, le général Amouli Baingwa Dieudonné. Et puis, l'arrestation d'un seigneur de guerre opérant à l'ouest de la cité d'Irengeti Otomambéré. Il s'agit de Kiandenga. Les FARDC ont mis la main sur cette personne, auteur de plusieurs meurtres, assassinats et tueries sauvages. Il est leader du groupe Maïmaï Kiandenga. Madame, messieurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Patrick Bapuila et Papi Avouélé, à l'équipe technique Guilain Moukoko, Jean-Si Matondo, Alain Soudi, un journal coordonné par Jacques Abouaba, Moukoumina Sedouga. L'information continue sur nos antennes en français et dans les quatre langues nationales. 13h30, Bobo Anan Mokondi. Au revoir et à la prochaine.